Satsangatve nisangatvam nisangatve nirmohatvam Nirmohatve nischalatvam Nirmohatve
Nirmohatva Nishchalatatvam. Nishchalatatva Jivan Muktihi. Nishchalatatva Jivan Muktihi. Sadhguru récite un poème qu'il a nommé « Sans intention ». Il y dépeint la façon dont une fleur s'épanouit sans intention et qui, pourtant, ravit tous ceux qui ont un nez pour sentir son parfum. Et un fruit qui mûrit sans autre intention que d'envelopper sa graine de douceur. Cette graine qui peut faire verdir la terre entière. De même, il dit que notre propre épanouissement n'est pas pour servir ou sacrifier, mais pour assouvir le désir de la vie pour elle-même, et que cet épanouissement, sans intention, est une bénédiction pour tous. Pour continuer la série Netflix, eh bien, l'ennui n'est à coup sûr pas une chose existentielle. L'ennui est une chose psychologique. Ça dépend de ce que vous faites là-dedans. Si des choses minables ont lieu dans votre tête, vous allez vous ennuyer. Si vous êtes assis ici et pensez à des choses merveilleuses, ça va vous vivifier. Donc l'ennui est un processus psychologique. De très nombreuses façons, nous l'avons dit, ceci est votre film. Si votre film vous ennuie, pouvez-vous imaginer le sort des autres qui sont coincés avec vous pendant ces 3 semaines ? Avant, il y avait... divers types de distractions. Ces distractions, on les appelait travail, on les appelait shopping, on les appelait... diverses responsabilités sociales. Maintenant, les gens sont coincés avec votre film. Vous ne pouvez pas arrêter votre film, ça je le sais. Mais faites au moins comme les chaînes de télévision. Elles font toutes des pauses très fréquentes. Ce n'est pas une pause pipi, c'est une pause publicité. Mais elles font une pause toutes les quelques minutes. Faites juste cela dans votre film. Toutes les quelques minutes, arrêtez-le simplement. Toutes les 10 minutes, faites une pause de 2 minutes de votre film.
Oh, vous allez faire de vous-même quelque chose de merveilleux. Mais comment, comment, comment? Arrêtez simplement de jouer. Si je vous demande de jouer quelque chose, vous pouvez demander comment. Si je vous demande de ne rien faire et que vous demandez comment, qu'est-ce qu'on fait? Mais comment ne rien faire? Eh bien, rien n'est pas une chose, donc ça ne peut pas être enseigné en tant que tel. Oh, Sadhguru, vous jouez avec les mots et vous nous taquinez. Non, non, non. Rien veut dire, simplement rien. Comment enseigner cela? Attachez-vous les mains et asseyez-vous. Ça ne va pas marcher. Donc, ne rien faire veut simplement dire ceci. Vous n'êtes pas engagé avec ce qui se passe autour de vous. Vous retirez votre engagement de ce qui a lieu autour de vous. Autour inclut aussi votre activité physiologique et psychologique. Oui. À la fois le film physiologique et le film psychologique sont accumulés de l'extérieur. Donc cela aussi est autour de vous. N'y participez simplement pas. Votre corps dit ce qu'il dit, vous êtes simplement assis. Votre mental dit ce qu'il dit, vous êtes simplement assis. Sans vous impliquer. Simplement, sans courir après une certaine pensée que vous pensez bonne, sans essayer d'éviter une chose que vous pensez mauvaise, ou sans penser que vous allez faire bon usage de ce temps et laisser vos pensées faire des heures supplémentaires. Non. Vous ne pouvez pas penser une nouvelle possibilité, je veux que vous le sachiez. Vous pouvez penser une amélioration de ce qui est là. Vous ne pouvez pas penser une possibilité absolument nouvelle, c'est simplement hors de question. C'est juste que si vous n'êtes pas enlisé dans votre propre situation actuelle, de nouvelles possibilités deviennent visibles pour vous. De nouvelles dimensions de la vie deviennent visibles pour vous. Pas parce que vous les recherchez. Comment allez-vous rechercher quelque chose que vous ne connaissez pas? Si vous n'êtes pas empêtré dans vos situations du moment, de nouvelles possibilités deviennent visibles. Elles sont toujours présentes. Elles ne sont pas visibles pour le moment parce que vous êtes entièrement immergé dans vos propres situations actuelles. Pas même actuelles, dans vos situations passées pour la plupart des gens. Des choses qui ont lieu il y a 10 ans, toujours, ça bourdonne. Eh bien, vous auriez pu faire tout ce cirque si vous aviez une durée de vie d'1 million d'années. Mais même si vous vivez une vie complète, ça reste une vie très brève. Et maintenant ce virus. Ce que je dis, c'est qu'il va vous mettre fin dans 14 jours si vous ne faites pas attention. Si vous ne faites pas attention, ce virus vous menace. Dans 14 jours, on va vous expédier. Donc c'est une vie très courte. Et autour de vous, c'est une création phénoménalement sophistiquée et complexe. Dans cette création, vous vous ennuyez. C'est incroyable. Si vous prêtez attention à une feuille, une seule feuille, vous pouvez passer des années à la regarder tellement elle est délicate et sophistiquée. Il y a des fourmis, des insectes, des oiseaux, des animaux, tout le phénomène de la vie et la grandeur du ciel. Si vous vous engagez avec n'importe quoi d'existentiel, si vous vous engagez avec des dimensions qui sont vraies existentiellement, il n'y a pas de place pour l'ennui, parce que c'est un phénomène
trop fantastique. Comme vous fabriquez un petit phénomène dans votre tête et que vous n'êtes impliqué qu'avec ça, vous commencez à vous ennuyer. Ne pensez pas que c'est la vie qui vous ennuie, ou les gens, ce sont juste vos propres histoires qui vous ennuient. C'est juste que ce qui a lieu en vous vous ennuie. Vous ne savez même pas ce qui se passe autour de vous. Autrement, vous auriez vu le virus. Qui sait? Imaginez, quelque chose que vous ne pouvez pas voir peut simplement vous grimper dessus et aller là et... Vous ne pouvez pas voir de nouvelles possibilités. Eh bien, tout un tas de gens vont dire, qu'est-ce que c'est que ça? Quand on souffre comme ça, est-ce une façon de parler? C'est ce que vous devez décider. Si vous recherchez de la consolation, vous devez aller dans un endroit où ils vont vous dire des choses douces. Ils vous appellent. Ils vont vous dire des choses agréables, peu importe. Ça n'a aucune substance. Ça n'a aucune substance de la réalité. Mais ils vont vous dire des choses douces pour qu'aujourd'hui, vous arriviez à bien dormir. Mais demain à nouveau, vous aurez une nouvelle question et un nouveau problème. Alors ils vont vous raconter une autre histoire. C'est comme les histoires du soir pour enfants. Si vous compilez beaucoup d'histoires du soir pour enfants, vous pouvez en faire une religion. Oui. Donc, vous voulez une solution. Si vous voulez une solution, la toute première chose, c'est de comprendre quelle est la nature du problème. Et où est-ce qu'il se trouve? Si vous allez chez le médecin, il va vous toucher ici, ici, vous tâter ici, ici, ici. Qu'essaie-t-il de faire? Il essaie de trouver où se trouve le fichu problème. Ceci est arrivé une fois. Une jeune femme se rend chez le médecin et lui dit, « Docteur, j'ai des douleurs atroces dans tout le corps. Où que je touche, ça me fait mal. » Il lui dit, « Vraiment? Dites-moi, montrez-moi, où est-ce que ça fait mal ?» Elle fait comme ça. Elle fait comme ça. Le médecin voit ça et lui dit, « Venez par ici. » Et puis il lui met un pansement au bout du doigt et la renvoie chez elle. Donc, votre ennui, vous pouvez trouver des distractions à la télé, sur Internet. Vous pouvez faire comme si vous étiez un scientifique et faire des recherches sur tout et n'importe quoi et vous rendre dingue dans les prochains jours. Vous n'en êtes pas un. Vous n'en êtes pas un. Ou vous pouvez lire des philosophies, vous pouvez lire des textes sacrés et en parler. Aucune importance, le corps est une chose transcendante. La réalité, c'est Atman, Paramatma, l'âme. Elle va de toute façon rejoindre sa source. Mais si vous éternuez, vous êtes terrifié. Parce que éternuer est tellement fort que ça peut faire sortir votre âme. Croyez-moi, dans la vie de beaucoup de gens, c'est la chose la plus forte qu'ils aient faite dans leur vie, d'éternuer. Maintenant, vous ne pouvez plus éternuer. Si vous éternuez, vous allez être capturé et enfermé pendant 14 jours. Oui, vous ne pouvez plus éternuer. Mais pour beaucoup de gens, c'est ça la chose la plus forte qu'ils aient faite dans leur vie.
Donc, l'ennui. L'ennui veut dire que d'une certaine façon, vous recherchez la mort. D'une certaine façon, vous dites, la vie ne vaut pas le coup d'être vécue. C'est ça l'ennui. Non, non, pas comme ça, je me suis juste ennuyé pendant 10 minutes. Oui, pendant ces 10 minutes, vous la recherchez. Vous devez comprendre ceci. Ce corps, ce mécanisme tout entier est structuré de telle façon, eh bien, les gens vont demander si c'est scientifique, pas scientifique, c'est bien, mais c'est vrai. Je ne sais pas si c'est scientifique ou pas, parce que ça ne devient de la science qu'après avoir été prouvé en laboratoire. La vie n'a pas lieu dans un laboratoire, à moins que vous ne soyez un rat de laboratoire captif. La vie a lieu d'une autre manière. Il est très important que votre conscience, la façon dont vous pensez, ressentez et voyez la vie, est le message qui est envoyé à cette structure, à quel point elle est robuste, à quel point elle est cohérente, à quel point elle est réceptive et à quel point elle est une possibilité, dépend simplement du genre de message qui, à chaque instant, entre là-dedans. Parce que toute cette chose fonctionne à partir d'un certain genre de logiciel, et vous êtes le mauvais développeur informatique qui s'ennuie 5 fois par jour, 10 minutes à chaque fois. Pendant ces 10 minutes, vous avez dit, cette vie ne vaut pas le coup d'être vécue. Le message est parti, partout. Et la vie que vous êtes, la vie physique que vous êtes, est désorientée. Et l'une d'entre elles pourrait inviter le virus. Il veut partir, peux-tu donner un coup de main ? Ou quelque chose de pire. Tout un tas de gens sont constamment en train de créer cela. Il n'y a pas un grand oui à la vie. Ça avait lieu quand on faisait le Wellness Program de 90 jours. C'est le premier groupe de personnes qui sont arrivées en 1994, ici, à l'ashram. Tout ce qu'on a, c'est un abri avec un toit en chaume qui menace de s'envoler avec les vents de la mousson. Ils ne savent pas qui je suis. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'ils sont là sans savoir pourquoi ils sont là. Ils n'ont pas décidé de venir, ils ont juste été attirés là. Donc ils arrivent et s'assoient. J'essaie de leur faire faire certaines choses. Je les prépare pour quelque chose. Donc je leur demande sans cesse, oui ou non. Dites-moi oui ou non. Clairement. Après quelques semaines, ils me disent, Sadhguru, c'est oui et oui. Ne posez plus la question. Quoi que vous disiez, c'est oui et oui. Est-ce que ce sont des espèces de fanatiques ou des fous? Non, des gens très intelligents. Mais expérientiellement, ils ont réalisé qu'il ne sert à rien de résister à ce qui est littéralement la source de votre vie. Il ne sert à rien de résister à cela. Il ne sert à rien de dire oui et non à la vie. C'est un grand oui. C'est oui et oui. Donc, quand j'arrive un jour, il y avait un tableau noir sur lequel on avait l'habitude d'annoncer des choses. Ils avaient écrit « Sadhguru, oui et oui ». J'ai dit « Ok, si c'est oui et oui, c'est simple. Vous devez devenir un oui à 100% à la vie. Quand vous dites « Je m'ennuie », vous êtes un non à la vie. Quand vous vous mettez en colère, vous êtes un non à la vie. Vous vous laissez abattre, vous êtes un non à la vie. Vous déprimez, vous êtes un non à la vie. Vous êtes frustré, vous êtes un non à la vie. Et ainsi de suite, oui, non, oui, non, oui, non, oui, non. Elle est désorientée. Maintenant,
la physiologie elle-même va vous occuper pour le restant de votre vie parce qu'elle est devenue un problème. L'idée du yoga, c'est de devenir un oui à 100% pour pouvoir mettre ceci de côté. Vous pouvez mettre ce mécanisme du corps et du mental de côté et les utiliser comme des plateformes pour regarder de plus grandes possibilités de la vie. Mais à l'heure actuelle, oui, non, oui, non, oui, non, oui, non, oui, non. Cela en soi est le problème de toute une vie. Les manières du corps et les bêtises du mental vous occupent les gens pendant toute une vie. C'est le bon moment, 3 semaines de sadhana. Ce n'est pas l'heure de l'ennui, ce n'est pas l'heure de Netflix. Une semaine, Netflix, c'est fini. Ce n'est pas l'heure de faire une thèse en virologie. Vous auriez dû la faire plus tôt, si ça vous intéressait, pas en 3 semaines. C'est le moment de devenir à 100% oui à la vie. Parce que c'est comme ça que les possibilités de la vie vont s'ouvrir pour vous. Autrement, oui, non, oui, non, oui, non. La vie ne sait pas si vous la voulez ou pas. Parce qu'elle reçoit chacun de vos messages, à la fin de la journée, elle n'arrive pas à comprendre ce que vous voulez. Dites-le très clairement. Dites très clairement à tout ce qui fonctionne ici, vous êtes à 100% oui à la vie. Mais ma famille m'ennuie, Sadhguru. J'ai pitié pour eux. Ils ne se plaignent pas, mais ils doivent souffrir. Si vous vous ennuyez tellement, je suis sûr que vous l'exprimez de tant de manières, vous n'êtes pas content de la nourriture, vous n'êtes pas content de ceci, vous allez crier, vous allez hurler, vous allez faire des choses idiotes. Il y a probablement de la souffrance chez ceux qui vous entourent, parce que vous ne savez pas comment mener votre petit drame. Il est temps de s'attaquer à cela, de faire des pauses publicités. Toutes les 10 minutes, une pause de 2 minutes. Ou vous n'avez pas besoin d'autant, toutes les heures, faites une pause de 5 minutes ou de 10 minutes. Aucune implication avec quoi que ce soit, l'extérieur, le corps, le mental, rien. Le monde peut dire ce qu'il veut. Voyez, quoi que vous pensiez, les moineaux et les paons disent ce qu'ils veulent. Laissez faire. Laissez faire ne veut pas dire les ignorer. Non. Vous prêtez pleinement attention, mais sans être impliqué. De même, le corps, il respire, le cœur bat. Ce ne sont pas des choses simples. Ça s'appelle des signes vitaux. C'est la façon dont un médecin voit si vous êtes mort ou en vie. Votre cœur bat, votre souffle entre et sort. Comment pouvez-vous ignorer de telles choses? Vous ne devriez pas les ignorer. De l'attention, mais en retrait, pas impliqué. Très alerte, mais pas impliqué. La même chose est valable pour votre processus de pensée et vos émotions. Très alerte, pas impliqué. Le corps, le mental et le monde, j'appelle ça BMW. Vous sortez de votre BMW et vous lui prêtez attention. Toutes les heures, 5 à 10 minutes, vous verrez, ça va faire des miracles. Vous allez vous épanouir en tant qu'être, ce qui est la chose la plus importante. C'est l'aspiration de toute vie. Toute vie sur cette planète n'aspire qu'à devenir une vie pleinement épanouie. Le problème de l'être humain, c'est que nous savons ce qu'est un cocotier pleinement épanoui, ce qu'est un manguier pleinement épanoui. On sait même ce qu'est un paon pleinement épanoui. Mais on ne sait pas ce qu'est un être humain pleinement épanoui. Il est temps d'explorer. Le virus vous a donné le temps. Sadhguru.
Sadhguru, cette question est de Kunal. Namaskaram Sadhguru. J'ai commencé à faire la pratique que vous avez enseignée l'autre jour. J'aimerais savoir quel est le sens et l'importance de cette pratique. Je me sens vraiment bien lorsque je la fais. Je me demandais si je peux en faire plus. Eh bien, si vous passez à 60, vous pourriez perdre la tête. Si vous passez à 100, 120, vous pourriez mourir. Oui, je ne rigole pas. J'ai dit 21. Restez-en là. S'il est difficile d'en faire 21, faites-en 12. C'est tout. C'est comme si je vous avais donné un laddu. Sadhguru, c'est très bon, est-ce que je peux en manger 100 par jour? Ne la bricolez pas comme ça. Lorsqu'on crée ou structure une pratique, vous devez comprendre que les Yoga Sutras de Patanjali n'ont jamais prescrit une pratique, uniquement les fondamentaux, la science, mais pas la technologie. La technologie doit être construite. Donc, très judicieusement, il a appelé ça un sutra. Un sutra veut dire un fil. Il y a un fil. Avec le fil, vous pouvez faire une guirlande faite de diverses fleurs. Certains vont porter des guirlandes colorées et osées, certains vont porter quelque chose de subtil. Vous pouvez mettre des graines dessus, vous pouvez mettre des perles dessus, vous pouvez mettre des diamants dessus. Qu'allez-vous mettre si vous aviez un fil à la main? Tout ce que vous avez. C'est tout ce que vous pouvez mettre. Donc Patanjali en est resté là. C'est une intelligence très suprême. Il a juste donné le fil et il a dit, chaque maître ajoutera ce qu'il a. Donc la pratique est structurée. Et toujours, lorsqu'on structure une pratique, ce n'est pas simplement une chose mécanique, vous devez y insuffler de la vie. Donc une certaine pratique avec un certain nombre de... Peu importe, maintenant, c'est un ensemble qui est vivant, c'est quelque chose de vivant. Ça ne vit pas simplement ici, dans l'air. Si vous l'intégrez en vous-même, elle va vivre en vous. Parce que c'est comme le virus. Le virus a besoin de vous, il ne peut pas juste vivre seul. Il a besoin de vos cellules pour y entrer et se multiplier. Seul, il ne peut pas juste continuer à se multiplier et vivre dans l'air. Exactement de la même manière, la pratique est une certaine structure. Elle a besoin de vous pour vivre en vous. Maintenant, vous faites autre chose, vous la modifiez pour en faire une espèce de démon. Ne faites pas de telles choses. Si quelque chose vous est donné, quelqu'un lit un livre et invente quelque chose ou ce qui est écrit dans le livre, il vous l'enseigne, c'est différent. Quand un processus vivant vous est donné, tenez-vous-y simplement tel quel. Si je vous donne une fourmi avec 8 pattes, vous dites, est-ce que je peux lui mettre 12 pattes ou est-ce que je peux lui enlever 4 pattes? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une chose vivante, vous ne pouvez pas faire ça. C'est comme ça qu'elle est structurée. Donc, 21 fois. Si vous trouvez que 21 c'est trop, si à la fin vous êtes un peu comme ça, faites-en 12. Sadhguru, la prochaine question est de Catherine. Namaskaram Sadhguru. Je me souviens que vous aviez dit que le livre Ingénierie intérieure est un outil de transformation personnelle. Je remarque beaucoup de changements en moi après avoir lu le livre sur la mort.
Je voulais savoir si le livre sur la mort est aussi un outil de cheminement spirituel. Les ennuis arrivent. Ingénierie intérieure est un outil. La mort est un outil. Non, la mort n'est pas un outil. Mais le livre sur la mort a été conçu pour donner une compréhension non falsifiée d'une dimension très importante de notre vie, qui est notre nature mortelle. Je dis non falsifiée parce qu'en général, elle est très falsifiée. Lorsque quelqu'un meurt, en général, les mots qui sont utilisés sont Daiva Dinarao Agibitaru, ce qui veut dire « il est parti s'asseoir sur les genoux de Dieu ». C'est une falsification. Quelqu'un vous dit « il est parti vers sa demeure céleste ». C'est une falsification. Ils vous disent des choses qui vont vous donner un certain réconfort pour que vous deveniez prêt à mourir. Soit vous devez mourir consciemment parce que vous avez complètement accepté la mort comme une partie de la vie, soit vous devez la combattre. Vous ne devriez pas l'accueillir en pensant que vous allez au ciel. C'est une falsification. Donc le livre sur la mort est structuré de telle façon qu'il n'y a pas de falsification. Regardez la mort simplement telle qu'elle est, et ses nombreuses dimensions. Eh bien, on a fait un peu de décoration pour que ça ne devienne pas trop effrayant pour les gens qui n'ont pas un mental qui discerne. Chaque pensée déclenche une émotion chez tout un tas de gens. Chaque pensée fait goûter des émotions. Pour des gens comme ça, les faits de la vie vont être très dérangeants. Donc, une méthode, c'est de les accompagner à travers ce processus pour qu'une fois arrivés à la dernière page, dans une certaine mesure, ils sont un peu moins passionnés par la mort. Si vous pensez que vous allez au paradis, vous pourriez devenir passionné par la mort, ce qui n'est pas bon. La passion est pour la vie. L'absence de passion, c'est la façon dont vous devez aborder la mort. Si vous devenez passionné par la mort, vous serez bientôt parti. Oui. Quoi qui vous passionne, vous avez tendance à vous diriger vers là, n'est-ce pas? Donc, il est très important que le livre sur la mort soit lu dans le bon contexte. C'est une période merveilleuse pour le lire, parce que c'est le genre de livre avec lequel vous devez vous asseoir seul et en lire autant que possible en un jour. Si vous en lisez des bouts pendant 30 jours, vous n'allez peut-être pas sentir ce que c'est. Vous allez peut-être en tirer quelques faits et astuces. Ce n'est pas comme ça qu'il faut le lire. Vous devez le lire autant que possible en une fois, pour qu'il entre en vous et s'y pose comme un bloc. Et ensuite, vous le digérez lentement. Ensuite, vous faites de la mort une partie de votre vie, parce que, de toute façon, vous vivez la mort. C'est comme ça qu'il faut le lire. Donc, quand est-ce que vous aurez 2-3 semaines sans interruption, juste pour vous asseoir et lire? C'est le bon moment de le faire. C'est vraiment le bon moment de le faire. Nous sommes face à notre nature mortelle. Malheureusement, dans des pays comme les États-Unis, aux États-Unis, il y a plus de 3 000 morts, des gens infectés,
Je crois qu'il y en a maintenant 150 000. Ça fait rage en Espagne. Ça a un peu ralenti en Italie, je crois. Mais ils me disent qu'il y a de nouveaux... des départs d'épidémie à Shanghai. Donc, de bien des façons, un fort rappel de notre nature mortelle est fait à toute la population mondiale à l'heure actuelle. C'est le bon moment de lire le livre sur la mort, le point de vue d'un connaisseur, uniquement pour ceux qui vont mourir. C'est un marché limité, vous savez, un marché très limité, uniquement pour ceux qui vont mourir. On n'y a pas pensé, mais c'est le meilleur livre à lancer à cette période. Yoga Yoga Yogeshwaraya Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya Kala Kala Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho.